Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours intéressants, intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui me suivent depuis longtemps. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui viennent me voir au resto aussi. Toujours un plaisir et un honneur de vous servir. Merci à ceux qui partagent la vidéo, qui commentent et n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air et de vous assurer de recevoir les publications de en Ligne. en aussi euh, cochant sur la... Petite cloche, chers amis, événement majeur, on le sait, on a vu l'escalade entre le Hezbollah et Israël. C'est complètement hallucinant ce qui s'est passé. On se rappelle des épisodes dignes des euh, meilleurs films d'Hollywood, genre Mission Impossible, où on a vu les euh, Israéliens faire exploser les téléavertisseurs de centaines de membres du Hezbollah instantanément partout au Liban. On a vu des scènes horrifiantes. Le lendemain, ça a été les walkie-talkies, ça a été une dévastation, un choc pour le Hezbollah et les attaques aussi aériennes constantes pendant toute cette semaine-là. Hier, dans un bombardement très spécifique du centre nerveux du Hezbollah, souterrain, dans un quartier résidentiel et une propriété résidentielle, enfoui dans un bunker, se trouvait le chef du Hezbollah, Nasrallah, et on envoyait une bombe probablement thermale ou très puissante, et on a eu la confirmation de la mort maintenant du chef du Hezbollah. C'est complètement nuisant, pendant que... Benjamin Netanyahu était à l'Assemblée la, des Nations Unies où il a donné un discours dans lequel certains membres des Nations Unies ont applaudi et pendant aussi le, lequel plusieurs membres ont quitté les nation, les, la, 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 la salle où s'adressait Benjamin Netanyahu qui a... pour ceux qui sont pro-israéliens, exposé l'hypocrisie de l'ONU. Avec, en, en appelant et en disant qu'il serait temps de nettoyer la swamp des, des Nations Unies, que tu sois pro-israélien ou, isra... ou anti-israélien, ce n'est pas vraiment important. C'est vrai que ça aussi, c'est une autre swamp, les Nations Unies. Toutes les organisations comme ça, globalistes, mondialistes, sont et font partie de la swamp, du marécage de tous ces gens qui ne sont pas élus, qui veulent nous gouverner. Le chef terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué lors d'une attaque massive de missiles contre son quartier général à Beyrouth. Imagine-toi directement à Beyrouth. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué. Et ça, ça peut être l'événement d'octobre. Bon, on est le 28 septembre. Donc, tu auras un conflit sûrement majeur. Il y aura des répercussions à ça, probablement. Mais comme je vous l'ai dit dans d'autres publications récentes, c'est le temps d'être réaliste. C'est le temps de revenir sur Terre. Pour tous ceux qui sont pro-palestiniens et anti-israéliens, ni le Hamas ni le Hezbollah ont la puissance et la force nécessaire pour arrêter la volonté de l'armée israélienne. Moi, je suis loin d'être un pro-israélien là. Je veux juste vous dire qu'il faut que ce soit réaliste. C'est le complexe militaro-industriel le plus puissant le plus sophistiqué, c'est le centre nerveux de toutes les opérations globalistes et mondialistes en passant, et impérialistes américaines. C'est le centre aussi, le quartier général de toute la recherche militaro-industrielle, de toute la recherche d'espionnage, de toute la recherche de toutes les techniques que tu peux imaginer, que ce soit laser, laser directionnel, laser satellitaire, de tout ce que tu peux imaginer, de A à Z, dans le complexe militaro-industriel d'espionnage, d'espionnage industriel, de tout ce que tu peux penser. Israël est le centre et le quartier général de tout ça. De penser que des organisations que certains qualifient de terroristes, d'autres de combattantes, et quelque chance que ce soit de même faire trembler Israël, c'est de l'hérésie totale. C'est de l'hérésie totale. OK? C'est comme le jour et la nuit. Les deux ne peuvent pas se comparer. Les deux complexes militaires, celui du Hezbollah, des roquettes, des euh, lance-pierres. Non, c'est complètement gaga de voir des gens comme Scott Ritter que. Qui, qui, je me demande c'est quoi son rôle dans tout ça, des gens comme lui et d'autres qui essaient de mettre dans la tête des gens que le Hezbollah aurait pu infliger une défaite à Israël. D'ailleurs, j'aimerais te faire noter aussi une chose. Aucun État du Moyen-Orient ne lève le petit doigt depuis 70 ans pour la Palestine, sauf en parole. Que ce soit les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, tu peux toutes les nommer. Même l'Iran, ça a toujours été juste de la parole. La Turquie, Erdogan, juste des paroles, rien d'autre. Des frappes israéliennes meurtrières ont détruit vendredi, hier, le poste de commandement souterrain du chef terroriste de 64 ans à Beyrouth. On peut voir ici l'explosion en question. Les forces de défense israéliennes, FDI, ont annoncé aujourd'hui que l'attaque éclaire de vendredi par des avions de chasse avait réussi à éliminer le secrétaire général du groupe terroriste. Ils ont dit « Hassan Nasrallah ne pourra plus terroriser le monde ». Le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Shani, a ajouté « Nasrallah est mort. La mort de Nasrallah marquerait une nuit charnière pour Israël après 32 ans de règne en tant que chef et serait le plus gros coup sur leur liste de cibles ». À ce jour, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, aurait personnellement approuvé l'attaque après que des espions ont découvert que Nasrallah s'apprêtait à convoquer une réunion de ses dirigeants survivants dans son quartier général souterrain. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Et on peut voir ici les fameuses attaques. En question complètement complètement waouh complètement fou le guide suprême euh, iranien Ali Khamenei l'un des proches alliés de Nasrallah a envoyé un message effrayant à Israël après que les allégations d'assassinat de ce dernier euh, sont, soient confirmées il n'a pas mentionné Nasrallah mais a critiqué Israël pour son bar bombardement massif contre le Liban Khamenei a déclaré que le Liban ferait regretter à Israël. Ça, on l'entend depuis je ne sais pas combien de décennies. Ses actes et à fustiger les politiques à courte vue et stupides des dirigeants israéliens. Il a affirmé qu'Israël était trop petit pour causer des dommages au Hezbollah. C'est complètement hérétique tout ce discours-là. C'est complètement hérétique. Bouge pas, je vais y trouver quelque chose de vraiment intéressant. Ok, ici on voit les images justement du discours de. Benjamin Netanyahu à l'Assemblée des Nations unies et où on voit plein de délégations quitter euh, lors de son euh, de sa prestation. Les gens ont quitté la salle en grand nombre. Ici, on voit les grands titres des journaux. Netanyahu qui lance un avertissement à Israël à l'Iran. Il n'y a aucun endroit en Iran qu'Israël ne peut pas cibler. Ça, c'est aux Nations Unies hier qu'il a euh, déclaré ça. Netanyahu, j'ai un message pour les tyrans de Tiran, de Téhéran. Si vous nous attaquez, nous allons riposter. Wow! On va avoir un autre grand titre, tu vas voir. Je vais essayer de le centrer. Le premier ministre israélien condamne l'Assemblée générale des Nations unies comme étant une, un marécage, swamp d'antisémitisme, dans un discours où des dizaines et des dizaines de diplomates sont sortis. On va en écouter un extrait. Ensemble. Maintenant, on a Donald Trump aussi qui a mis son petit grain de sel. L'Iran est en train de se probablement préparer à une attaque contre Israël. On est en train d'activer ou d'alimenter hein, cette peur de troisième guerre mondiale. Donald Trump qui dit à l'Iran et qui prévient l'Iran. Le complexe militaro-industriel vous surveille dans un moment où on se rapproche de plus en plus d'un et c'était inévitable ça depuis je vais te dire une chose depuis la création d'Israël et on a vu toutes les décennies qui ont suivi que ce moment-là arriverait de confrontation finale entre ces deux entités. Et c'est là où on en est. Pendant qu'on essayait de faire avaler au monde avec euh, toutes sortes de manigances diplomatiques qu'Israël était pour amoler, assouplir sa position et accepter une espèce de cessez-le-feu qui était négocié par la France et les États-Unis cette semaine, on laissait planer ça. Là. Ben la réponse de Netanyahu et d'Israël, ben tu l'as eu hier. Il n'y en aura pas, de cessez le feu. Puis c'est toutes ces, ces, ces... Les médias, le complexe militaro-industriel et sa propagande et ses, mes, et ses mensonges. Pour essayer de assouplir ou, je ne sais pas, calmer la base, on le sait, euh, de, 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 de gauche, la France et l'administration Biden ont laissé planer qu'Israël était en train d'assouplir sa position. <laughs> Les États-Unis sont frustrés que Netanyahu ait rejeté le plan de cessez-le-feu qui apparemment avait été coordonné et planifié avec Netanyahu lui-même. Je ne sais pas si je peux avoir un petit extrait de ce discours de Netanyahu. Je, te... je pense que oui. Burned entire families alive, babies, children, in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. 1000 dans du Hamas Israël. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has is brought home 154 of these hostages. Ils ont on a ramené 154 de ces otages. 117 sont revenus vivants, d'autres sont naturellement décédés. Il dit, je veux vous rassurer. On n'arrêtera pas tant que les, les autres otages ne, ne seront pas rendus. Donc, oubliez tous les ballons lancés par... Nos administrateurs marionnette. Il n'y en aura pas de cessez-le-feu, il n'y en aura pas de négociation. C'est clair, net et précis, Il viens de te le dire. Il faut arrêter de vivre dans, la, dans, dans une bulle, dans un, une galaxie lointaine. Il faut que tu écoutes ceux qui sont vraiment impliqués dans les situations urgentes, comme par exemple le Premier ministre israélien. Il n'y en aura pas. On n'arrêtera on pas tant que ces otages-là ne seront pas revenus. Et de ces membres de famille, de ces otages qui sont avec nous ici. Je vous demande de vous lever. With us, with Ellie Stevie. Hussaini Dan was abducted from the Nova Music Festival. That was his crime. Hussaini Malatrash, whose brother is Gaza. But it didn't end there. Israel was soon forced to defend itself on six more war fronts organized by Iran. He said, we de to defend ourselves on six autres fronts by wars qui are all planned, organized and financed by Iran. On October 8th, From Les, le, le 8 octobre, le Hezbollah nous a attaqués depuis le Liban. Since then, fired over 8, et depuis ce temps-là, ils ont lancé plus de 1000, euh, 8000 roquettes, qui sont l'équivalent à peu près de javelot, tu sais, et de pétard à mèche. At our towns and cities, at our civilians, at our children. Two weeks later, the Iran-backed deux semaines après, l'Iran a euh, appuyé et financé les... Au Yémen pour euh, attaquer Israël avec des drones et des missiles depuis le Yémen. Et une, incluant une hier, qui a... Touché, Tel -Aviv. Iran Shiite militias Les groupes euh, qui sont soutenus par l'Iran depuis l'Irak la Syrie ont attaqué l'Israël la main maintes reprises, nous dit aussi euh, Netanyahu. Over the past year as well, fueled by Iran. Alors alimenté par l'Iran. Les Palestiniens en Judée ont lancé plusieurs attaques aussi à partir de là vers nous, vers Israël. Et en avril dernier, pour la première fois, l'Iran a directement attaqué Israël depuis son territoire. Ils nous ont lancé 300 drones, missiles, des missiles cruise missiles et des missiles balistiques. I have a for the of Il dit J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. On peut voir ici, naturellement, tous les sièges de la République islamique, le Koweït, ils sont tous vides. Vides, les gens sont partis. If you strike us, si vous nous attaquez, We will strike you. On va vous attaquer. There is no place. Il n'y a aucune place. On entend les gens qui sont restés applaudir. Vraiment... Donc, je veux dire une chose. Je ne sais pas ce qui est en train de se préparer. On parle toujours, naturellement, dans une année électorale américaine, d'événements d'octobre. On est le 29, sept... 28 septembre. L'événement d'octobre, je pense qu'on peut se douter. De ce qui va être, je vous reviens.